coup. Oh là là. Oh. Mais calme-toi, 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 calme-toi. Mais tire sur des oiseaux, tire sur des oiseaux. Oh là là. Oh là. Arrête, 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 arrête. Il s'est un peu chaud, je suis désolé. Mais frérot, regarde, il est en train de la soulever dans la voiture, de quoi tu me parles? Non, il soulève ça, mais il soulève ta sœur dans la Formule 1, frérot. Incroyable. Mon dieu. Alors, Hans, c'est pas pour moi, c'est pour Hans. Mais le dos, j'ai Hans, rapproche-toi, frérot, wesh. Il est coincé, frère. Mais ça va pas, ça, elle va pas te kiffer. Non, non, non. J'ai jamais cru au fantôme jusqu'au jour où tu as décidé de hanter mon esprit. Et maintenant, je vais déglinguer Abby et Ami. Je vais les prendre toutes les deux. Je vais les défoncer. Ouais, c'est de grosses billatches. Quoi? T'es mort. Tu veux essayer? Il a explosé. Il a pas explosé. Il a eu quoi, lui? Il s'est pris une belle tête. Mais tu donnes des termes techniques de Call of Duty, là. Arrête les bêtises. Ouais. C'est trop grave. Il avait aucun atout, il avait rien. C'est sûr, il s'est fait à 360. Mais c'est sûr. À 3-6. Il s'est pris à 3-6, balle tête. Ah ouais. Voilà, le mec, il a sauté, il a fait à 360. Il s'est pris une balle tête. Salut, salut. Juste pour vous dire qu'on a reset la whitelist du serveur. Ça veut dire qu'en gros, toutes les personnes qui avaient été refusées définitivement de la whitelist peuvent retenter leur chance. Et même les nouvelles personnes qui veulent essayer un petit peu ce serveur. N'hésitez pas, le lien du Discord est en description. C'est mardi. À tout de suite. Let's go. Normalement, c'est Kayo ce soir. Avec Ben Barak et puis Abby. Oui, Richie. Oui. Hello. Ça va quoi, Hamid? Ça va, et toi, comment tu ouais, vas? Ouais, tranquille, tranquille, je viens de gagner 70k là. Incroyable, t'es au casino. Ouais, j'étais au casino juste avant, je suis à l'entreprise là. Vas-y, bah, on va pas tarder à démarrer pour... Ah ouais, pour... c'est vrai, pour le truc là, ouais. Hangar. Ouais, c'est ça, c'est vas-y, ça. Vas-y, bah, tu me dis quand vous décollez, ok? Vas-y, je t'appelle quand on démarre, c'est bon? Allez, beau gosse, ça va. Allez, à l'heure. Oui, ça va? Ouais, ça va, et toi? Oui, ça va, oui. Alors, ça raconte quoi? Même pas tu m'appelles, rien, bah, pas de message. Attends, ça fait 5 minutes que je suis réveillé. Eh ben, mais le petit déjeuner était pas prêt ce matin quand je me suis levé. Ah bon? Mais c'est ouais, sur la table. Pas de céréales, wallo, pas de cachère, pas de kiwi, wallo. Voilà, j'ai préparé les céréales avec le lait. Bon, après, les céréales, ils ont fondu, tu vois. Ça marche. Mais bon, c'était pas trop mangeable. Bon, t'es où là? Bah, je suis devant la maison. Les EMS là qui font le volant d'apesanteur. Et plus tard dans la soirée, du coup, ce sera Abby et Ben Barak à Caillou. Ah, parfait. Ouais. Bah, je viens te chercher au pire. Ouais, c'est parti. Ah, j'ai changé mon look au fait. Vous allez adorer. J'arrive. Bonsoir, comment ça va? C'est quoi ça? Bah, je me suis fait une petite beauté, j'ai coupé mes cheveux et je me suis acheté de nouveaux vêtements. Mais quelle petite beauté! Mais y'a ni quoi? Petit ni beauté, y'a rien qui va là! Vous aimez pas? C'est une grande mocheté là, c'est pas une petite beauté! Vous êtes vu, vous qui voulez faire de la chirurgie esthétique? Bah oui, mais moi je suis moche, mais je me change pas, tu vois, j'assume! Toi, t'assumes pas le fait que tu sois moche! Mais pas du tout, je suis. Mais j'ai réussi Mister en Allemagne! Ouais, bah en Allemagne, mais ouais, en Allemagne vous êtes moche, qu'est-ce que je te dis? Bon, même critères. Si mon père a trafiqué les votes, mais j'ai gagné. Ah, voilà, on y est. Carondu. Oh, arrête. Oh, j'ai géré, là. Oh, j'ai géré, là. Non, mais j'ai géré, en vrai, là. Ouais, un peu. Bonsoir. Ça va quoi, beau gosse? Ça va mieux. Ça va mieux. Ça va quoi, Ried? Ça va ou quoi? Toujours covidé? Ah, mais c'est Junior. Covidé, je suis malade. Ah. C'est Junior. C'est un Kratonus. Salut, ça va? Ce qu'il a, c'est qui, lui? C'est quoi, Wang? C'est moi, c'est Hans Werner. Comment ça va? Oh, putain. Ça va et toi? Ouais, ça va, vous allez bien. C'est qui Moulay? C'est qui le mec avec J'ai fait vous de lui, il m'a déjà soulevé. C'est qui Miami? Ah, moi je me présente, Junior, beau gosse. Salut, moi je m'appelle Richie. Richie Laura. J'aurais pu se dire Rachid, mais. Mais non, c'est Richie, c'est Richie. En fait, ma mère elle est irakienne, mon père il est américain, ils se sont rencontrés lors de la guerre du Golfe entre deux bombardements. Il m'a déjà soulevé. Oh, ça tue! Qui ça? Oui, Junior, il m'a déjà soulevé. J'ai pas oublié quand vous m'avez soulevé, vous. Junior, donc t'as soulevé Hans, c'est ça? T'as de la chance, je suis plus vraiment son garde du corps vu qu'il ne paye plus. Quoi? Mais attends, t'es son garde du corps? Toi, tu me payes plus. Ah, moi, je pense qu'ils ont fait la fuite. Mais c'est tous les vendredis. Après Jumra? Ouais, bah ouais. Ok, ok. Après Sunday. Ok, ok. Mais Junior, ça va? Tu fais quoi dans la vie, Junior? Rien. Avant, t'as quel âge? J'ai 23. 23? Bah, rajoute 10 piges, non? Ah, oh, c'est sûr! Il ouais, a qu'il a dit 23! Attends, il est fou! Regarde dans le rétro! Vas-y, regarde dans le rétro! 23, il est fou lui! Ouais, j'avoue, la vie elle était dure avec moi en ce moment. Oui, bah oui. Et vous faites quoi vous dans la vie? Moi je fais du business, Richie Deluxe, je fais des locations de voitures, des tours d'hélicoptère, tu vas aller sur Caillou, tu payes et puis. Ouais, enfin, ta gueule, ouais. On va faire qu'un neuf. Aussi. Ah, on peut aller sur Caillou, je suis jamais allé, c'est combien? C'est 10k par personne! Ouais, je suis. Ah bah, c'est 10 000. 10 000. Bah après, normalement, c'est réservé pour les couples. Genre, en gros, tu sais, sur Caillou, il y a des bungalows. Tu passes la soirée avec une meuf, tranquille, tu cannes. Tu fais du jet ski. Bah, en vrai, vous pouvez. Hein. Tu payes. Si là, vous payez, on y va maintenant. Là, on décolle maintenant. Paye, on y va. Paye, on va à Caillou. Vas-y, on y va tout de suite. Attends, t'as l'argent, rien. Il y a rien entre nous, je rigole.
Allez, ouais, vas-y, viens, on va à Caillou, viens. Vas-y, bah c'est bon, je prends une fin de service. Je suis jamais allé. Allez, bah attends, attends, j'appelle le mec de Caillou. Rien, t'as entendu, il y avait des go là-bas, directement tu as dit tu payes. Ah ouais, vas-y, va te changer. Attends, va, attends, 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 je l'appelle. Il me répond pas encore. Quoi? Mais peut-être bientôt. De toute façon, t'as mon numéro. Mais pourquoi il a soulevé honte? Ah, il fait contre lui. Parce que t'es gardé contre lui, il a même Debza que t'as mis à la meuf la dernière fois. Debza là. Une, pas deux. J'avais dit ça à qui? Je me rappelle plus. À Caddy, non? Ouais, à Caddy, ouais. Vas-y, j'attends juste le bon moment. En fait, non mais dis-lui, on fait 1v1 et... Vas-y. C'est pas la taille qui compte. Oh Junior, viens, on fait 1v1. Comment ça c'est pas la taille qui compte? J'ai dit c'est pas la taille qui compte, hein. Ouais bah oui. Viens, on fait un 1v1, dehors, viens, toi et moi. Viens. Allez, viens. Hugo. Le pauvre. Ah ouais. Paix à son âme. Fait le fou. Monsieur Junior, vous allez voir pourquoi je le paye. Attendez, non mais attends. L'autre il est là, il vient, il... tu me provoques comme ça. Ah ouais, je te donne un coup d'avance. Vas-y, non mais attends, parce que toi tu triches. Quoi? Je dis pas ouais combien de... Comme ça je triche. On esquive une esquive. Non, 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 on fait, non. On fait une seule esquive. Hey, et on... Tu vas pas confondre, on m'en marche désolé. C'est vrai, tu veux pas aller plus loin là-bas là? C'est pas gentil. Ah ça. Merde, c'est la meuf le plus chelou de l'Est, ça va quoi? Ça va super à toi. On va, on va se taper avec Junior, je crois il s'appelle. Ouais, viens, hey, si je gagne. Okay. Si je gagne, je te baisse. Wow! Ah ouais, là c'est. Au moins les intentions sont claires, hein! Ah yo, carrément, c'est pas bon le mariage! Vas-y, allez, ça c'est en 2022, c'est fini. Écartez-vous! Attends, je pose mon sac! Pose ton sac! Eh hey, Junior, fais attention à toi! Moi, t'inquiète! J'aime beaucoup mon frère Junior, hein! T'inquiète pas! Yeah. Regarde! Attends! Allez! Let's go. Bismillah! Attends, voilà. Et vous avez pas besoin de vos bismillahs. Allez, c'est parti. Allez, let's go. Attends, on m'appelle. Hein? Wamid? On est presque à l'aéroport là. Ah ouais, ok, je bute Junior et j'arrive, je suis là, ok? Ah non, ok. Vas-y, tout de suite. Comment ça va, Junior? Vas-y, bisous. Tu le connais? Bah, Junior, bien sûr que je le connais. Ok. Bah, vas-y, je suis au bénis, je vais tuer, j'arrive. Vas-y. Vas-y. Ok, vas-y. Junior, appelle. Vas-y, t'inquiète. Pourquoi le mec elle est à toi? Oh, traître! Bon, allez, c'est bon, on y va! Allez, au revoir! Pas tant de fois, hein! Bon. Qu'est-ce qui se passe là? La circulation. Ça va, tranquille? Non, si, bah, vite fait, c'est un petit blocage, y'a pas grand chose quoi! Vite fait quoi! Blocage au calme! Un petit blocage quoi! Bah, on attend quelqu'un, y'en a un, il roulait et après. Vas-y, de toute façon, Amit, c'est où hein? Ouais, je sais c'est où. Ok, vas-y, à tout à l'heure. Eh, dites Oula, dites Oula, est-ce que je suis beau ou pas? Mais Oula que non? Truc, je vais te mentir ou quoi? En plus, je vais dire Oula, c'est ça ton problème, t'es pas. Mais frère, t'es moche, t'es comme moi! Mais c'est hypocrite un petit peu! Mais après, mais on s'en fout que tu sois moche, regarde, y'a des moches qui réussissent dans la vie, qui ont. En fait, je m'en fous, moi hier, je me suis fait une belle biatch, donc c'est bon, allez hop. Signer la copine? Ouais. Ah, c'est pas vraiment une belle biatch, c'est une biatch, mais c'est pas une belle biatch, hein. Ah bon? Ah, regarde, j'ai vu son visage, elle est tout sauf belle, hein. C'est vrai qu'elle avait beaucoup de maquillage. Ah, elle avait une tête de béni, regarde. Accroche-toi! Ah, doucement! Mais arrête! Ah, regarde, on a bien atterri, regarde. Hop là! Hop! Gravité pour qui là? Pour tous les EMS. Oui, EMS ils s'en battent les couilles. Hein. 22h hors de pointe, ils vont faire quoi? Ils s'en vont en l'air. Ah. Ils s'en battent les couilles. Génial. C'est là où il y a le plus de blessés. Là j'ai déjà vu 6x6, 36. Il y a 36 cas là déjà. Il y a 36. Oh, 36. Là il y a 42 cas là. Il faut que je vous parle du date par rapport à. Bonsoir. Salut Amit, ça va quoi? Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir monsieur Verdun. Vous êtes au complet là? Bonsoir. Et bonsoir. Il manque quelqu'un là? Franchement, la vérité, hein. La vérité. Il y en a, ils ont refusé de venir. Ouais. Et il y en a, ils étaient en réunion. Ok, bah Chelsea elle est pas là? Chelsea, réunion, elle m'a dit ouais, je payerai plus tard. Ah, ok, tu crois que Richie fait crédit toi? Attends, ça veut dire que vous allez pas payer là? C'est à dire que tu vas me faire la facture et je demanderai à être remboursé. Mais t'es fou quoi, vous êtes combien? Vous êtes 7, 6 x 7, 42? Ouais, bah ouais, mais je l'ai prévenu, mais bon, tant pis, hein, je l'ai prévenu. Mais attends, t'as combien sur ton compte? Pas beaucoup. Mais non, c'est mort frère, tu vas pas payer à découvert, t'es malade ou quoi? Mais non, en fait je vais payer et elle va retirer après. Du coup, j'irai récupérer l'argent après. Ok. Voilà, c'est tout. Eh, ne vous mouillez pas, personne n'a dit ici. Ouais, vas-y, laisse, c'est moi qui vais payer. Hein. Ah, y'a personne, hein. Y'a personne hein, qui s'est dit, ouais, on va faire une petite quête ou quoi, tu vois. Ils ont tous regardé à droite, à gauche. C'est pas EMS là, c'est EMS là, je te jure. Ouais, là, c'est grave. Allez, on y go. Est-ce que vous voulez un pack photographique? Ah, c'est bon, sous le pack, ton pack photo. C'est bon, frère. Déjà que tu fais l'activité gratuitement, c'est bon. Non, moi, je fais pas l'activité. Bon, on va commencer par un saut directement tout là-haut. Je vais vous montrer. Plaisir, attends, okay. Ami, tu l'as fait dans le hangar ou pas? Non. Ah, tu l'as jamais fait dans le hangar? Non. Ah, jamais. Ok. Y'a vraiment rien là. Là, je crois que c'est un suicide collectif. Hein. Non, vous inquiétez pas, ça va pas être un suicide. Vous êtes tous sur la radio, les gars? Ouais, oui. Ça fait un suicide, on est là. Ok, attendez, je lance l'activité, mais sautez pas maintenant, ok?
Il y a un compte à rebours, okay. Ça commence dans 5-6 secondes. Et let's go! Oh, allez! Hier, on a fait du saut en longueur. Hans, il a tout baisé. Ah, il est bon, Hans. Ah, ouais, ouais. Aïe! Hop là! Et là, ça reprend, là. On a, en fait, on a 15 secondes de répit, après, ça reprend. Ah, c'est trop bien! C'est bon, allez, il va cut fly. Attention à l'atterrissage! ça va, on a des bons matelas, on a des bons matelas. Ah, c'est... J'ai chopé la technique pour aller tout là-haut en vrai. Ah oui, c'est rien. Ah, ah, ma tête. Aïe. C'est j'avance avec mon cul. Aïe. Ah, c'est trop marrant qu'on vous retombe. Et let's go. Allez hop là. Hans, la serpillière. Aïe. La tête. Hans, la tête, Aïe. Attends, j'arrive. Salut. Ça va quoi? J'ai vraiment peur pour ma chute, moi. Ah, la chute. Here we go! Mario! Ouais, je l'étoile de mer là! Salut! Boum! Attention à l'atterrissage! Aïe! Ça pique un peu, hein? Ah, j'ai marre! Ça y est, c'est fini du coup! Ça va? Ah, ça pique un peu les fesses. Et vous savez, hier, il y en a, ils sont tombés, ils sont pas relevés. Hein. Ah ouais, des fois c'est un peu violent. Des fois c'est rude. Bon, ça va, vous avez kiffé? Attends, c'est cool, ouais, c'est ah ouais, voilà, ouais. Merci Hamid, ah, c'est ah ouais, c'est tellement mieux quand c'est gratuit, hein. Ah ouais, ouais, c'est ah, merci Hamid, hein. Hamid, tu veux si pas prendre moi hier. Eh, mais dites-vous, hier, Hans, hier, il y a une meuf, elle a pas payé. Elle s'est dit, mais attends, mais c'est pourri ton truc. J'ai dit, ferme ta gueule, t'as même pas payé, toi. Attends, et bientôt, je vais faire un. Je vais installer, tu sais, un truc de Monster Truck dans le Nord. Parce qu'il faut pas délaisser le Nord après, tu vois. Là, ça peut après, être cool. Après, t'as déjà eu la Formule 1, la formation Formule 1. Ouais, formation Formule 1, j'ai déjà eu et j'ai eu la formation 12000 aussi. Hein. Ouais, c'était comment aussi? C'était comment? C'était franchement magnifique. Je vous ai mis sur Zoop le SHD, allez voir si vous voulez. Oh, il a pris des photos gratuitement en plus. Et 1000$. C'est bizarre. Ah, c'est gratuit. Et puis les gars, je vous dis, Formule 1, ça va vite, vous avez jamais. Les SHD en mode Zero Gravity, beau gosse. Elle est belle la photo. Ah ouais, t'as vu? Elle est très belle. Bon, il y a deux personnes qu'on voit pas, tranquille, mais ça va. Voilà, c'est cool, je suis frais. Vas-y, y'a pas de soucis. Merci Hamid, surtout. On se capte après. Ouais, mais c'est bon. Vas-y, les gars, prenez soin de vous et bonne soirée. Merci, Hamid. Merci, Hamid. On a perdu un, là, les gars, non? Thomas Tyler? Pas du tout, rien. Faut l'attendre devant, il veut me donner 5000$. Devant quoi? Devant l'aéroport. À l'entrée principale? Ouais. Mais pourquoi il va te donner 5000? Parce qu'il me les devait et j'avais complètement oublié. Mais par rapport à quoi il te les devait? Je sais plus. Très bien. Je sais plus du tout. T'es sûr que c'est pas un piège? Bah. Des écoute, gens qui t'appellent pour donner de l'argent, ouais, quoi, ça sent mauvais. Je dis, je suis avec tous les SHD et mon garde du corps. Il m'a dit, ouais, pas de soucis, je viens, je vous les donne et je m'en vais. Salut, Europe. Ouais, j'ai une mallette, frérot. Bonsoir. Ah non, mais vous inquiétez pas. De toute manière, c'est bizarre, tu dois de l'argent à quelqu'un, il s'en rappelle même pas, t'aurais pu économiser 5000. Oui, je m'en souviens, un souci. Ah, tu t'en fais. Ah, merci. Mais pourquoi il te devait 5000, Thomas? Parce que la dernière fois, il m'avait demandé 5000. Ah ouais? La dernière fois, tu lui avais demandé 5000. C'est l'argent, tu rappelles. Ah, ok. Et ah bah, ça va, t'as réussi entre temps, Thomas? Fais de l'oseille. 30 000 à son compte. Ah ouais, sorteux. Mais pourquoi tu fais pas un tour de Formule 1 au Zero Gravity? Ah ouais, ah, fais plaisir. Enfin, ça dépend. Parce que j'économise pour acheter une maison. Voilà, ah, ça c'est des bons projets. C'est bien. C'est j'aime bien. Vas-y, Thomas, t'es un bon, hein. Merci en tout cas. Merci c'est beaucoup. Vas-y. Beaucoup de gentillesse envers Hans aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Bah ouais. C'est attends, il est moche, il pue sa grand-mère. Non, arrête. C'est ma tenue, elle est belle. Ouais, d'accord. Vas-y, Thomas. Big up. Au revoir. Les gens, ils sont gentils. Non, mais non seulement il est gentil, mais il est con. C'est pourquoi? Il s'est même pas compté, il m'a donné 7000. 7000? Ouais. Mais frère, mais il est pas con, il est gentil. Oui, c'est vrai. Mais j'ai pas de reconnaissance, donc vous savez. Bah ouais, t'es un enculé en fait. Eh, hey, moi j'ai pas de reconnaissance, hein. Ah non, t'es un bon. Voilà. T'es un bon. Je vous les donne. Ah ouais, bah ouais, heureusement, je vous donne des gens pour toi. Hein. Je savais que t'allais réclamer. Parce que je sais, t'as dit, ouais, oh, tu te souviens, le 12, nanana, j'ai fait ça. Ouais, c'est bon. Ouais, bah moi j'ai de tout, hein. Moi j'ai l'heure, la seconde, le centième de seconde près, hein. Mais je sais. T'inquiète même pas. Ça va, monsieur? Eh, dis-moi, t'es japonais? Japonais, eh, faut que je te paye. Bah justement, vas-y, je te suis. Vas-y, viens. C'est le seul que j'ai pas appelé. Panda, reste. T'as vu, je t'ai dit, frère. Panda, je l'ai appelé. Alors, les mauvais payeurs, où est mon argent? Eh, t'aurais pas des bandages, s'il te plaît? Des bandages, ouais, j'en ai. Et t'es vraiment moche, en sens, ça, je. Arrêtez! Mais. Oh là là, j'ai été dans le meilleur coiffeur de Los Angeles pourtant. Là, tu vois, combien? Un raciste pur et dur. Mais va te faire qu'un neuf, toi, imbécile. Oui. Alors que je te goûte. C'est deux. Ouais, pardon, vas-y. Pardon. Je te dois combien là? 100? Pardon, c'est bon, pardon. Non, ah, bandage, je m'en bats les couilles. Paye-moi pour le truc d'apesanteur. On est ensemble. Ah, wouah! L'apesanteur. Non, c'est bon, on est ensemble. Frérot? Yumi, tu fais quoi? T'as pété un plomb? Mais Hans, t'as fait quoi? T'as pété un plomb quoi? Mais non, c'est. Yumi, c'est mon ami. Yumi, t'es un. En vrai, je m'entends bien avec Yumi, malgré qu'il me soulève. Wesh, madame, tranquille, ça va?
Oui, je vous dérange pas. Vous faites quoi, vous? Les jougoums? Espèce de petite merde! C'est ma tante. Ah, c'est ta tante? Ok, ok. Ouais, c'est ma tante. Eh bah, eh, ton neveu! C'est un mauvais payeur! Oh merde! Ah oui, ça va? Oula! Oh putain! Vas-y, relève-toi! C'est bon! Allez, Hans, allez, relève-toi! Allez, t'as la semaine dure à cuire là! Tata, elle est là-bas! Ah ouais, mais Tata, elle est en stress, Tata! Oh, pardon, pardon! Oula! Pardon, ça va, les gars? On te doit combien, Richie? Ah, je sais pas, vous étiez combien hier, les gars? 1000 fois 3. On était deux, non? On était deux, ouais. Ouais, et la meuf, ça m'a? Mais non, la mais meuf elle est en CDD dans le business. Ah bah les couilles hein, CDD pas CDD, le tarif il est en CDI hein. Ah mais non Richie, je crois qu'elle était enceinte. Ah mais Richie. Ah elle est enceinte du coup, faut faire quoi? Ouais, juste le bébé aussi dedans. Juste le bébé dedans, du coup ça fait 4 au lieu de 3. Bien joué pour le bébé. Non mais justement, du coup tu payes pour le bébé comme c'est une place enfant, c'est 6 x 2 plus 1 x 3, ça fait 6, 12, 15, 6 x 3, 18. Eh Richie, t'as vu, on part dans pas longtemps tu vois. Ouais. Vas-y, j'ai envie de faire du Monster Truck, t'as pas un truc Monster Truck? Mais justement truc, genre, là, je suis en train d'installer un truc dans le Nord là pour le Monster Truck. Putain. Ça arrive demain, après-demain. Ah bah ça va alors. Bon. Et vas-y, comment on sera tes premiers clients? On peut ne pas payer? Mais t'as un niqué toi ou quoi? Non, c'est pour tester. Il a dit on sera tes premiers clients, on peut pas payer. Du coup, si tu payes pas, t'es pas un client. Ah ouais. Si. Ah non, il manque 3K. Il m'a payé 15 000. C'est 6K, wesh. C'est 6K x 3. Hijo de cabron, j'arrive. Wesh, c'est un baiser lui. Il pensait bon, arrêtez de bouler, c'est que de l'argent, c'est rien de l'argent. C'est rien, ah, attends, tu parles. Attends, mais comment ça, vous partez bientôt? Vous partez où, les gars? Au Japon. Oh, au Japon. Mais pourquoi? Sérieux? Parce que. Vous êtes punis. Ouais, on est punis. Wesh, mais y'a que des baisers ici dans votre quartier ou quoi? Ouais, ça rend fou. T'es tout le temps comme ça, la tête comme ça. C'est pour ça que vous rentrez au Japon, vous avez raison. On va refaucher par des voitures à 64, c'est relou. C'est pas trop rentable. Faites pas respecter, vraiment. Bah, vas-y, les gars. T'as quelque chose sur les brokers ou pas? Bah, je peux en avoir si vous voulez. Mais c'est bon, vous barrez au Japon, c'est bon, laissez tomber. Non, laissez tomber. Jusqu'au dernier souffle, ils veulent les brokers. Eh, Richie, ça se voit, toi. Respecte votre honneur quand même, vraiment. Merci. En fait, écoutez, ils ont rafale le bosseur pas longtemps, il y a deux jours, je crois. Et des infos? Ouais, vas-y. Bon, écoutez, je sais que les brokers s'habillent en gris. Ouh! Mais t'enculé. Putain, je vais t'enculer. Qu'est-ce que tu fais? Bouge pas, j'arrive. T'es mort. Garde du corps, mais fais-toi. Ah, moi, ouais, j'ai du business et du pain sur la planche, les mecs, je vous le laisse. Viens. Oh, ça va rigoler. Il m'a payé 2K, il croit que je suis un crevard encore. Vas-y, bonne chance, Hans. Tu m'appelles si t'es encore vivant, beau gosse. Bah, vas-y, Riyad, viens, on y go là. Hans, tu vas dans le coffre. Ah, oui, bah, comme d'habitude, oui. Mais pourquoi cher? Mais non, je rigole, il y a de la place, vas-y monte. Ah bah ça va. Alors du coup, racontez-nous les petits tourtereaux, vous vous êtes rencontrés comment? Donc on a arrêté quoi? Tourterelle de culture. Il a parlé en allemand là? Connais. C'est lui qui a parlé, c'est pas moi. Non mais c'est pas Hans, hein. Des fois c'est Hassan, ça dépend du jour. Non, c'est pas vrai, arrêtez vous de râler. Des fois c'est Hassan Werner, des fois c'est Ryan. Ah ouais, il y a beaucoup de... Oh Junior, t'étais où là? Ouais, figure-toi que. Puis la bagarre. Ah oui, j'étais à l'hôpital. Ah merde, j'étais frappé un peu fort, je crois. Tu m'as frappé fort, Ricky. Ouais, ça dépend des fois. Des fois, j'arrive pas à doser. Non, mais t'as triché. Non, vraiment, j'ai pas triché. En fait, quand j'étais petit, j'étais mordu par un rat et depuis, j'ai une force surhumaine. J'ai la force d'un rat, quoi. Un rat, ça a pas de force. Oh, tu rigoles ou quoi? Oh, les rats, ça a v'là de la force, hein. Ah ouais? Eh oui, hein. Ah, que je savais pas. J'ai postulé pour être directeur de l'hôpital. Ah ouais, bah ils vont te prendre, c'est sûr. Ouais, j'étais en train de faire le test là. Bah... T'as des compétences? Ils m'ont dit des compétences. J'ai dit que j'avais travaillé chez un boucher. Mais oh, après, ça passe. Ils m'ont fait un autre test. Ils m'ont dit si t'es dernier et que tu dépasses le dernier, t'es quelle position, ouais. Bah, du coup, je suis avant-dernier. Ils m'ont pris pour un con. Mais frère, tu veux pas dépasser le dernier? Hein? Mais tu peux pas dépasser le dernier. Si c'est le dernier, tu peux pas le dépasser vu que c'est le dernier. Oh, astaghfirullah. Regarde, je te fais la facture. Ouais. 20K! Ouh! Quoi? Mais t'avais dit 10? Mais c'est 10 par personne, Roya! Bah oui, 10 par personne! Je l'ai dit en plus, c'est 10K par personne! Bon, vas-y, de toute façon, j'ai pas trop de choix maintenant. Mais c'est, vous voulez le pack photographie ou pas? 2000$? Ouais, mais le pack photographie, frère, tout, tu nous mets tout! Lancement des missiles lance-fusée en direct de Caillou, bienvenue sur Richie Deluxe Airlines, en compagnie de Junior! Oh Richie, les 2000$, il veut les rentrer dans un ring ou je veux conduire un hélicoptère? Et Hassan Werner! Hassan Werner! Température extérieure de 45 degrés, l'humidité t'en sort pas avec séisme. Ridgie, tu feras payer à la carte après. Nous allons avoir un vol approximatif de 10 minutes en direction de Cayo Perico. Perico! N'hésitez pas à lâcher des petits pourboires, bande de chiens.
Hein, c'est parti pour le décollage. T'as entendu, il est fou. Réad, il a dit faut que tu lâches des points. Non, c'est pas moi, c'est la tour de contrôle qui m'a contacté. Attends, j'appelle le mec. Un mec a contacté et tout là-bas. Bah ouais, on peut pas aller comme ça. Ouais, seigneur, je vais décoller là. Ok, et moi je suis pas là, mais y'a mes hermanos, ok. Ok, super. On va la plata à la chica, ok. Ouais, ça marche, nickel, on fait comme ça. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bismillah, bismillah, comme vous dites. Bismillah. Vous avez un permis, monsieur Richie? Ouais, ouais, j'en ai un, ouais. Il a tous les permis, regarde. Bon, par contre, monsieur Ricci aura besoin de concentration durant le pilote. C'est pas Ricci, c'est Ratchi, Ratchi. Non. Chi. Ratchi. Rachid. C'est Rotman. Mais il fait nuit. Rotman. Rotman. Oui. T'as dit Rotman avec. Ah. Non, c'est Rahman. Ratman. Vous voulez que je vous crache maintenant ou on attend un peu là? Non. T'es en train de vous foutre de ma gueule là. Bref, taisez-vous. Arrête, t'es pas où là? Eh non, il blague, il le fera jamais. Mais de toute façon, non, lui, faut il jamais. Sa vie aussi, il est pas quand même. Je le connais, vous savez. Ah non. Non, il rigole, j'ai plus peur moi, il rigole. Ah ouais, bah oui, il rigole là, il a... Ça y est, ça. Mais non, mais le poteau il servait à rien, il y avait un moineau là, il cassait les couilles. Ah, là, oui. Vraiment un caillou péricot. Oui, bah vraiment. Dans les nouvelles, on m'a dit que c'était dangereux d'aller là-bas. Non, regardez, vous voulez une preuve ou pas? Je vous envoie tout de suite des photos de caillou péricot d'un pack photographique que 42 a pris. Non, en fait, j'ai appelé le mec et il a fait les visas et puis là, tranquille, on va être accueilli par ses hermanos ou je sais pas quoi là. Attends, on aura les visas, on pourra où aller quand on veut. Non, mais Riyad, comment ça les hermanos? Parce que la dernière fois, j'ai regardé sur Discovery, ouais. Il parlait de péricot, et il parlait d'un gros groupe armé avec des armes lourdes. Ouais, le cartel. Ouais, mais ils sont gentils hein, au fond. Il dit quoi, cartel? Une organisation en fait criminelle. Donc rien de plus. Non, mais genre là-bas, la drogue par exemple, en fait c'est criminel pour nous les Américains, mais eux là-bas c'est légal chez eux, les armes, oui. La drogue, c'est rien, tu vois. Ouais, leur c'est... loi. Ah, en fait... Parce qu'une fois j'ai vu Anse, il y avait un gros arme comme Far Cry. Tu connais le jeu Far Cry? Oui, je connais Far Cry, bien sûr. Et ben, mais non, vous inquiétez pas. Il y avait une arme comme ça qui est pointée, mesquine. En fait, écoutez, c'est l'enfer, mais dans la vraie vie. Là-bas, écoutez, en fait. Écoutez, j'ai été deux fois, je suis en face de vous. Ouais. Alors pourquoi pas une troisième fois? Ah, c'est là? Oui, c'est là-bas. C'est un pays. La taille de la Tunisie. C'est qui respecte pas comme ça, Archimon? Ah, c'est vraiment pas. Hein. Ah ouais. Ouais, des respects, Mackensh là. Ah ouais, il a dit c'est la taille de la tune. Oh le bâtard. Oh là, je vais me faire insulter, je sens que c'est. Ah ouais, ça vous insulte déjà. Je vous dis la vérité, je suis en sueur. Hein. Non, vous inquiétez pas. Tu regardes, il y a des tourelles. Ah, je crois que c'est Miguel. C'est Miguel. Miguel Paulita. Ah, ça va quoi, Miguel? Tranquille. Ça va? Je suis avec des clients. Ça va, Miguel? Bonsoir. Moi, je suis avec mon assistant Hans, et puis Riyad, et puis. Junior, je crois ça, ils sont en couple, ouais. Et du coup, bah, ils sont venus profiter un petit peu. Bah, voilà, on est en couple. Voilà, de Caio Perico, en plus, on arrive junior avec. Junior et Hans, ils sont en couple. Non, Junior et Riyad. Moi, je suis plus dans le Maghrébi. Le prêtre, là. Enchanté, seigneur. Soyons enchantés, monsieur Miguel. Vous avez tous des coupes de moulay, là? Il y aurait des boissons et tout ça, compris dans le. Ah, c'est cool, ça fait plaisir. Bon, après, c'est pour les clients. Et vous avez de quoi des jetons? On peut prendre des photos, c'est bon? Sur la plage et tout? Sûr, bien sûr, pour les prendre des photos. Nickel. Bon, restez tranquille, d'accord. C'est des vraies armes, mais tranquille. Tranquille, vous inquiétez pas. Bonsoir. Salut. Ça va? C'est des vraies armes? C'est de vrai. Non, mais toi devant moi, Junior, on va regarder avec toi. Ouais, un très bon voyage. Elle est belle. En fait, on a voyagé de nuit pour arriver ici la journée, puis comme ça, ils puissent profiter un petit peu du soleil. Et... Comment elle est belle. L'arme, elle est belle, mais c'est méchante. L'arme, tu vois, c'est vrai ça que j'aime bien. T'es sexy, en même temps, c'est je bande. Hein? Il est quoi? Non, je connais pas ce mot. Non, non, il rebondit. L'arme, elle est vraiment incroyable. C'est incroyable. Ok, j'imagine. Ça aussi, c'est une vraie arme, ça, là, sur le toit, là. C'est. Ah, ouais, c'est bien sûr. Vous voulez essayer, venez. Sérieux, je peux? Si, mais ici, on est chez nous, notre regard. C'est vrai? Trop bien. Les premiers qui ont peur, mon grand-père avait ce genre d'arme. Il meurt d'une crise cardiaque. Attention. Ah ouais, c'est une vraie, je confirme, c'est une vraie. C'est une vraie. Vas-y, Hans, frérot, c'est bon, je tire à côté. Heureusement, vous l'avez frôlé, heureusement. Mais frérot, c'est la déflagration, c'est pas possible. Non, c'est le choc dans les oreilles, ça va. Ben oui. C'est pas mon dieu. Aïe. Eh mais c'est trop bien ici. Ah. Si, c'est trop bien. Non mais arrête. N'hésitez pas, mettez-vous à l'aise, c'était quand même assez chaud. Alors Hans, t'es bien Caillou? Va te faire cuire un œuf. Mais ouais, je suis jamais content lui. J'ai dit vous pouvez pas vous mettre trois fois, je viens. Au cas où s'il tire. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai, première fois sans moi. Je vais te régiler. J'ai juste envie de voir comment mon grand-père vivait dans le temps. Personne n'a pas Richie, tu peux viser que Richie. Non. T'es fou, moi ma mère elle arrive vendredi, si j'arrive je suis blessé, elle va me niquer. Non, je le fais pas, je vous jure que je tire pas sur vous. Promis. Je suis pas fou. Si, justement. Si. Vous êtes Morgane Pain, hein. Oh. Non, c'est bon. Je me... Eh, d'ailleurs, lui là. Je me barre. Sur 2000$ là pour les photos. Attends, t'as pris qu'une photo déjà. Mais... Du coup. Oh là là. Oh. Mais calme-toi. Mais tire sur des oiseaux. Oh là là. Oh là. Arrête. Elle m'a remporté la guerre.
Ça y est, tu t'es déchaîné, ça y est. Défoulé, non, mais c'était juste pour voir que mon grand-père, comment il vivait. Ah, voilà. T'es un malade, toi. Ton grand-père, c'était un nazi, ton grand-père, c'est pas la même chose. Arrêtez, hein, mais... Du coup, on peut aller vers la plage. Vous avez des véhicules ou pas? Si, si, on va vous conduire jusqu'à la plage. C'est gentil. On ira prendre des petits rafraîchissements et tout là-bas. Donc, comme je disais, mettez-vous à l'aise, vous avez chaud. Je vois, sinon, vous êtes en chemise, tout ça. Vous avez également une boutique, là. Ouais, rien, tu peux te changer si tu veux. Des souvenirs. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais tu veux mourir ou quoi? Ah. De prendre un petit t-shirt de Caillou. Bah ça se voit que ça pas le permis. On est pas responsable de ce qu'il fait. Pas le permis, désolé. Il a baisé la caisse. T'es mal poteau, Roya, tu l'as. On va aller à la plage, ils vont nous déposer. Wesh, boxeur, basket. Ah, les gens ah c'est plus à l'aise là, c'est des nudes là, en direct. Je mets un short. Bah enlève le basket. C'est bon, je suis prêt. Ah c'est ça qui l'a choqué, c'est le basket, c'est pas la c'est le basket Roya qui m'a choqué. Ah la première fois on avait droit à une limousine et tout. Je vous dis. C'est génial là. Après c'était 42, peut-être pour ça. Viens à côté de moi, je vous dis. Mais je suis bien là où je suis, il faut de la place pour ma grosse arme. Nochi, vas-y pour notre tourner. Ah ouais. Mais du coup, je vous dis, votre sœur c'est vendredi. Scotenta. Hans. Oui. Je me suis retiré. Si, j'aime bien que tu mets à côté. Ah, du coup, je prends photo, les gars. Ouais, mais prends-moi à côté de. Je vous dis. Ça raconte quoi, Miguel ouais. Le client, c'est aussi Riyad. Ça va être un client, toi, Richie. De... Ouais, non, ils sont pas liés. Non, Junior, Riyad. Vous êtes un cartel, c'est ça? Voilà, prends-moi à côté. Mais Riyad, t'inquiète. Et ça va, ça gagne bien le cartel. Platin en ce moment, mais sinon, ça va être un kilo. Y'a pas trop de platin en ce moment? Je suis assez. Enfin, moi, personnellement, je suis assez. Allez-y, tirez pour l'ambiance. Allez, pour l'ambiance, je vais tirer dessus. Ange, tu vas voir si c'est pour l'ambiance. Ah, pardon. Ah, je crois que c'est senior derrière. Par contre, tu payes les munitions, hein, c'est pas gratuit. Hein. Ah, oh merde. Ouais. Ah. Toute munition tirée, c'est 100 dollars. Ouais, il a déjà découvert, je crois. Hein. Non, arrêtez de tirer, c'est bon ça. Vu tout ce qu'il a tiré tout à l'heure, il a découvert. Ne vous inquiétez pas, il a tiré en l'air, Junior. Par contre, hier, j'ai tiré, les gars. Ouais, il a tiré une meuf. J'ai tiré une fille, je vous jure. Non, c'était une pute. T'as dit Ricky. Je te jure, je l'ai payé 90 dollars, la meuf. Ah bon, c'est Cindy. Cindy, la cookie. C'est né la cocaïne. Oh, mais elle a des champignons. Et voilà. Et voilà, bienvenue d'eau. Wouh. On tient la playa. Vamos a la playa. Junior. Mais une meuf. Bah non. Ça t'intéresse, Julie? Bah oui, tout à l'heure, j'essaie de lui rentrer dedans. T'as de l'argent, t'as de l'argent? Ouais. T'as combien? J'ai 10 000 balles. Sérieux? Et tu l'invites à faire de la Formule 1 ou un volant d'apesanteur? Comme ça, tu t'envoies en l'air avec elle. Moi, je fais ça, moi. Je fais des volants d'apesanteur. Ah ouais. Dans un hangar. Ah ouais? Bah ouais, je fais des locations de voitures de luxe. Tu veux l'impressionner, tu me loues une voiture de luxe et boum. Vas-y, c'est carré, mais ça veut dire faut que je revienne ici. Bah non, frère. Je lui dis, des fois je la vois avec Senior, elle est à Los Santos, de temps en temps. Prends son numéro. Ah, Senior, je vous dis. Non, c'est Miguel lui. Ouais, moi c'est Miguel. Tu peux m'appeler Mora, ça me dérange pas. Non, c'est moi le rat. Mora. Sinon, je peux t'appeler Moulay. Si tu veux finir avec Chef Mora, commence pas à me chercher. Chef Moulay, c'est venir, si, mais. Comme boisson. Moi sans alcool, s'il te plaît. Moi aussi sans alcool. C'est Senior. Un petit rafraîchissement, tequila de cayo. Ah ouais. Plateau apéritif. Merci. Plateau au plata. Je vous dis. Plateau au plombo. Je vous dis. Moi je veux du iced tea, je veux pas d'alcool. Hop. Star, pas. Non, je veux pas d'alcool. Je vous dis. Oh attendez, j'ai de l'eau dans l'oreille. Oh putain de sa mère. Comme par hasard quand je te parle. Je disais que j'allais tirer les cheveux, je vous dis. Mais faut pas parler comme ça, meuf. Tu dis quoi? Mais faut être gentil, tu dis ce soir je te baise. Pas genre je te tire les cheveux, t'es malade ou quoi? Vas-y. Je vous dis! Non, je rigole, faut pas dire ça! Et Richie, voici votre iced tea. Oh, tu gères! On va faire du jet ski, non? Allez faire du jet ski, les gars! Junior, faites attention au regard! Moi j'ai cru que c'est vous qui nous donnez. Bah non, frérot, je fais ce que tu veux, c'est la part. Richie, l'investisseur. Ah, beau gosse! Oh là. Eh, beau gosse, hein! Tu l'as pour bon moment? Ouais, bon moment, très bon moment. Oh, Hans, t'as vu sur le Weasel ou pas? Ils ont retrouvé une soucoupe sous l'eau. Bon là, regarde, une étrange structure dans les eaux de San Andreas. Viens, on va aller visiter, on appelle le Weasel, on voit c'est où. Ouais, on va aller voir. Ça c'est un signe de la fin du monde, c'est sûr. Ah là, ça c'est stylé ça. Hier, je deviens ton père, j'ai complètement oublié. Alors, tu vois le business... 48, t'avais parlé d'un business, tu m'as dit. Voilà, exactement. En fait, tout foutre en l'air pour Abby et 28. Il paye. Ah, il paye combien? Je sais pas, mais il paye beaucoup. Parce que Bonne Baraque, là, il me paye 50k pour draguer Abby. Ouais, c'est ça. S'il me donne 70k, là, je nique tout. Faut l'appeler, faut qu'il réponde. Appelle-le. Vas-y voir. Il y a du réseau ici, hein. On dit à Ben Barak, écoute, tu veux contre-niquer le truc, tu payes encore plus que 42. Et comme ça, ils se battent. Et nous, on se met plein l'argent. Nous, tout ce qu'on veut, c'est l'argent, on s'en fout. Exactement. Ok. Check. Oh, ok. T'es un bon. Putain. Non, t'es un bon. Moi aussi. Moi, je suis un bon. Vas-y, je vais m'occuper des choses. Envoie lui un petit message, dis-lui, appelle-moi quand t'es dispo. C'est bientôt le saut en parachute, je crois. Hein. Le saut en parachute. Ils ont pris un saut en parachute? C'est compris dans le prix, c'est un saut en parachute. Jure! Tu vas voir quoi, je sens qu'il va avoir un mort avant ce saut. Il va mourir, c'est sûr. Ah, dommage. Alors, ça a été Junior? Oui. Ah, c'était trop bien. Vas-y, les gars, on va faire un saut parachute. Vas-y, Caillou Perico, c'est Far Cry. Je vais aller le chercher. Il m'a dit que après, je te déglingue.
Attendez, il y a une chambre pour vous deux, hein. Une chambre pour que je Vous avez fécondé, vous êtes ensemble. Non, mais aujourd'hui, je peux pas sucer, je me suis fait arracher une dent. Ah. Bah justement, c'est mieux. Ouais, ouais. Non, j'ai mal, ça fait moins mal. Kilo, j'ai de l'anesthésie, si tu veux. Non. T'inquiète, t'inquiète. Non. Un peu de coca et c'est réglé. Non. S'il y a un trou dans le parachute, c'est parti pour le show. Et c'est parti, tout le monde est chaud. Et au niveau de la playa, le trajet est très simple. Direction la playa, là où vous êtes arrivé. Ah, ça va. À gauche. Remontez bien haut. Oh, j'ai peur. Oh, le vertige. Ah, là, on va à gauche, c'est ça. Vas-y, regarde en bas. Oh, je sais pas si je vais sauter en vrai. Hein. Oh, ouais, je sais pas si je vais sauter. On est monté, c'est la map de GTA. Ah ouais, mais Roya, attends, nous on est pas des pros, hein, en vérité. Oh, ça fait haut là. Pour le parachute, c'est la tranquille. Gauche. Allez, wesh, on va dépasser la lune, je crois, c'est bon là. Non, monte encore. Comment ça, monte encore, wesh? Ça y est, j'ai peur moi, ça y est, c'est trop. Attends, il faut l'activer le parachute, non? Ah bah, heureusement, tu vas l'activer, Roya. Non, mais attends, y'a rien. Attends, là vous vous tapez pas. Ah non, ils vont pas se taper. Oh, j'espère qu'ils vont pas se taper. Vous nous dites, hein. Les boxeurs là, j'en ai plus. 13, quoi, c'est parti. Yeah. Wesh. Le parachute. Oh, c'est bon. Je crois que je l'avais pas. Et j'ai cliqué parce que je pensais que j'allais mourir. Vous voulez que je pimente un peu le son? Aïe. Seigneur Richie, vous voulez que je pimente un peu le son? Regardez. Hop. Saute. Ouais, ça fait des trous là. Et... Ça va Hans? Oh non! Ça va Hans? Oh, il a bien dormi! Sérieux? Purée. Mais c'est grave! Ah, tu t'es pris une mouette! Des appels d'air! Des appels d'air de 5,56! Aïe! Ça va Hans? Comment t'as fait pour te foirer? Oh, Abby, elle m'appelle, elle est là! Mon parachute! Ouais, Abby, ça va quoi? Ouais, ça va comment grave? Oh, on est là! Eh, t'as rendez-vous avec Bonne Barrique là? Ouais, c'est... Ouais, je suis un peu en retard. Tu les oreilles. On se capte à l'héliporte, Marina. Ok, vas-y, je vais juste m'habiller et on y va. Vas-y, ça marche. Allo, Richie. Mais Marek, ouais, c'est bon, habillé, elle m'a répondu. Et par contre, Richie, ouais. Je suis avec un mec qui fait que me vanner, je sais pas comment m'habiller. Je vais venir ensuite, je crois. En quoi? Ensuite. Pourquoi? Je crois que je vais venir en tenue d'hiver, il fait que me vanner, ce connard. Mais jamais de la vie, frérot, t'inquiète. Je te dirai si c'est bon ou pas. Eh, habille-toi bien, c'est habille, frérot, c'est le date de ta vie. T'as payé 50k, frère, tu vas pas te laisser marcher par un trou du cul. Je stresse. Mais stresse pas, Roya, c'est rien. Mais t'inquiète, ça va bien se passer. Ok, d'accord. Eh, 50k, frère. Comment ça, y'a Abidor? Y'a Abidor, quoi? Y'a Abidor avec ça. Oh putain, là, arrive le. Vas-y, je te laisse, bisous. 15 000, il demande pour tout foutre en l'air. Bah non, frère, c'est pas assez, t'es fou, il a payé 50k, Ben Drake. Appelle-le, il est dispo là. Vas-y. 42, ça va ou quoi, beau gosse? Oui, ça va, et bon. Ouais, je sais qui. Non, désolé, j'avais une couille coincée dans le truc. Ok. Ça va la Comment femme ça va Richie? Bah tranquille, Hans m'a parlé un petit peu de ton projet machiavélique. Qu'est-ce que t'en penses? Bah non mais 15k c'est pas assez, Ben Barrick il va payer 50k. C'est pas logique de tout prendre pour 15k. Non mais c'est un prank, après ils font leur date tranquille. Ah c'est un prank? Non tu veux pas Bah tu veux que je fasse quoi concrètement? En gros je voulais que ça devienne le pire date pendant genre la moitié tu vois. Ah mais là on va à Caillou, je peux pas trop faire le malin sur Caillou. Ah ouais c'est vrai. Ah par contre Non mais genre à Caillou tu vois c'est leur date normale. Ouais. Et genre sur Santos et ben on leur fait une petite connerie ou deux tu vois. Vas-y si tu veux, bah de toute façon après. C'était chaud. Ouais après Caillou nous on va aller au truc de gravité, le hangar. Donc, si bah, tu veux, dès que vous partez de Caillou tu m'appelles. Ouais. Oh pire voilà ce qu'on fait. Tu viens dans le hangar, je t'envoie la pause quand on sera dans le hangar. Et tu viens, okay. Tu nous braques tous. Ok, let's go. Tu nous braques, tu es cagoulé et je sais pas, tu leur fais faire des trucs bizarres. Ok, let's go. Bah, bon tu m'appelles, tu prends un avant. Vas-y, oui, t'inquiète. Il est où ton endroit là? Aéroport du Sud, c'est l'hangar Pegasus. Ah, c'est dans l'endroit? Ok, ça va. Ouais, c'est aéroport du Sud. Okay, vas-y, si tu tiens encore. Voilà, on s'appelle. C'est quoi cette musique? Eh, Seigneur, je ramène deux clients là, Abby et Ben Barek, je reviens. Quand vous arrivez ouais ça marche, on fait comme ça. Alors pour 42, bon 15k moi ça me va. Parce que je lui dis, voilà ce qu'on fait. D'abord ils font la première partie à Caillou, Ben Barek et Abby, tout se passe bien. Et une fois dans le hangar, je donnais l'idée de rentrer, genre cagoulé et les braques et tout, il leur fait faire des trucs bizarres. Ah ouais, comme ça, je suis pas un génie. 28, il va la protéger. Et ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et là, Abby qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donner son cul, son cœur. Ouais, les deux. Ouais. Je pense les deux en vrai. Ah, on espère ce soir, c'est les deux. Ouais. Ah, c'est bon, ouais, faut qu'elle arrête de se faire ça difficile, elle. Vas-y, habitons. Starfallah, c'est qui ça? Wesh, Richie, ça va ou quoi? Starfallah. Oh non, t'abuses. Bah, quoi, les gars? Mais moi, je suis mieux habillé que toi. Mais regarde, rien, Roya, mais tu. Mais quoi? T'es sérieux là? C'est quoi ça? Écoute. Oh, va te changer. Mais comment ça va te changer? Bon, j'ai d'autres tenues dans ma voiture, mais. Bah, celle-là, c'est mort. Écoute.
C'est une meuf de cité, je me suis habillé comme les mecs de cité en France. Tu comprends pourquoi je le vannais quand il était en train de s'habiller. Mais là on dirait un biker qui a mal tourné, ancien Vagos qui vend des burgers frère au Taco Bell. Non mais Starfou là t'as même pas de chaussettes en forêt. Oh là là. Non mais abuse ça. Attends, j'appelle Abby, dépêche-toi sinon j'appelle Abby. C'est bon. Abby, elle est spéciale. Vous savez, c'est pas tout le monde qui a perdu son ex comme une merde. Hein. Ah, je parlais d'Abby, je parlais d'Abby. Ah, ok. Oh, elle m'a fumé, Ami, hier quand elle a dit. C'est Amy, ouais. Écoute, on était en train de discuter et tout. On dit à Abby, vas-y, ton mec il est mort comment? Déjà, on se tape un fou rire parce qu'on dit, ouais, il s'est fait rafale. Non, on savait comment il était mort. On dit genre il s'est fait rafale ou elle dit non il s'est fait exploser, du coup on part en fou rire moi et Hans. et après Ami sa soeur on lui dit toi ton mari il est mort. Non c'est pas mon mari, c'est mon copain. J'ai ouais il est mort comment et tout. Elle dit quoi? Ah il s'est fait rafale aussi. Je dis ah ouais mais comment et tout. Il s'est pris une balle tête. Je fais comment ça il s'est pris une balle tête wesh. t'es dans Call of Duty ou quoi? Le mec après Hans il commence à dire ouais il s'est pris un 3-6 no scope et tout. J'étais mort. Non, on m'a fumé. En plus, elle a dit, tu sais, avec une petite voix douce toute triste et tout. Ah, il s'est pris une belle tête. Elle est adorable, la pauvre. Il s'est pris un trick shot sur Nuketown. Je te jure. Je te jure. Il s'est une nuque. Et un adapteur. Vas-y, bref, Abby, répond pas. On dit qu'elle est sur la foule spéciale. Vas-y, viens, on se date, Richie, sa mère. Casse les couilles. Ah, c'est moi, elle m'appelle. Non, c'est moi. Ouais, allô. Ouais, on a les portes, on t'attend. Ouais, bah, j'ai pas de voiture. T'es grand soir. T'es où? Je vous laisse. Vas-y, je suis à un magasin de vêtements, on va se faire. On va ta pause. Ok, vas-y. Voilà. Vas-y, à la base, c'est censé être le capitaine. Wesh! Ça va quoi? Attends. Voilà, on dirait deux singes échappés du zoo. Vas-y, on sait. Voilà, une dégaine. Une dégaine zoologique. Ça va quoi? Ça va être ton ref? Ah ouais, faut te la désirer, putain. Ah bah, c'est comme ça, hein. Voilà. Ça fait partie du paquet. Ben Barak, il est en stress. Abby, elle met trop de temps à changer. Pourquoi il est en stress? Je sais pas, tu l'impressionnes, on sait rien, moi, pourquoi il est en stress. C'est trop chelou, ce type. Et wesh, il est en date, c'est normal, il stresse. Ah, ça y est. Est-ce qu'il va réussir à sortir demain? Normalement, ouais. Bah, déjà, il a sorti 50K, donc après demain, normalement, c'est bon. Hein. Ouais, normalement, ouais. J'ai ramené le colis, c'est bon! Comment ça, le collier? Commence pas à parler de moi comme un objet, je vais me gagner. Non, le collier. Non, t'as pas dit le collier. J'ai dit le collier. J'entends pas, quoi. Oh, je repensais à la discussion d'hier et tout, genre, le mari d'ami qui s'est pris une balle tête, j'étais mort de rire. Oui? S'est pris une balle tête, tu te rappelles son mari? Mais son mari, il s'est pris une balle tête, ça te rappelle pas? Si, wesh, ça se fait pas, wesh. Non, mais c'est trop marrant, wesh. Une balle tête, wesh. 3-6 noscope. 3-6 noscope. Si, Seigneur, ça va? Richie. Ouais. Junior, il aimerait des gogo danseuses. Des gogo danseuses, ouais. Ouais, t'en connais. Je lui dis, par contre, tu payes. Il y a Cindy la coquine. Ok, bah, tu peux la ramener. Bah, je vais voir, je c'est la seule que je connais. C'est... Ah, si, j'en connais une. C'est bon. T'as de la plata, Junior, hein. Il faut payer. Je vous en ramène une, ok, c'est bon. C'est combien, Richie? En vrai, c'est cadeau, tranquille. C'est pas... Oh, c'est cadeau, c'est Richie qui paye. Merci, on arrive, on décolle là. Il m'a appelé, le mec de Caillou. Junior, il veut des gogo danseuses. Ouais, faut Cindy la coquine ou pas? Elle est pas là? Ah non, j'ai trouvé mieux que Cindy la coquine. Qui? Madame Baltet. On lui fait la surprise. Ah ouais. Ah, oh, t'as un bon. Je vais danser bien avec sûr. Elle. Bien sûr, je suis un bon. Ouais. Let's go! Paye à Richie. Après. Après, t'inquiète. Après, t'inquiète, à Caillou. Par contre, à Caillou, il y a des taxes. Il y a des mitrailleuses surtout. On passe de 2K à 5K du coup, parce qu'il y a des taxes, il faut payer et tout, laisse tomber. Ah non, je vais déjà payer, je crois. Là. Hop là! On va vous communiquer les. Splab, de la décollée en direction de Caillou-Péricou. La température serait de 35 degrés. Ouais, la fondement que c'est parti pour le décollage. Ouais, c'est la tour de contrôle, c'est vraiment des bâtards, je te jure. Assalam, allez, comment la remonter? Vas-y, Ben Barak, tu peux attaquer, c'est bon, ça commence là. Là, tu commences à payer là. Faites comme si on n'était pas là. Oui, je commence à. Je l'attaque. Oui, je suis pas. C'est moi qui dois l'attaquer là, c'est ça? Non, mais il y a une vitre normalement, c'est vous. Attaque-le là, je pense que c'est mieux, c'est plus dans ces cas. La vitre en tissu. T'as l'air d'être bien là, t'es à l'aise. Je mets la vitre en tissant, on vous entend plus devant. Allez, j'entends plus. Et oui, vas-y, t'inquiète. Bon, Abby, ça va quoi? Ça va pas. Attends, c'est quoi qui a claqué là? C'est la vitre. Ah, c'est la vitre, ok. Ouais, c'est où ça? Non, ça va ou quoi? Non, c'était Zerma, je l'en prends derrière la tête. C'est des sacrés quiz ça, hein? Il m'a tapé la nuque là, ça fait mal. Ça pique un peu, mais tranquille. T'imagines un détail. Tu sentais le coiffeur ou quoi? Et il m'a chopé par le très halal, bouf. Le cas tu sors ton fils quand il a fait des bêtises. Violent. Coup de poing claque direct. Ah ouais, ça brûle un peu. Mais ça va et toi? Oh, bon, ça. Ouais, ça va trop. Allez, on respire. Ça va tranquille, ouais. Du coup, j'espère que t'es contente qu'on se date à Caillou. Ah ouais, après, je savais pas que t'as un date, mais ouais. Comment ça, tu savais pas ça? Ah, 54, rigole, je crois que c'est pas. Vas-y. Non, mais genre, rendez-vous quoi, c'est date en anglais, c'est pour ça. Ah oui, I'm sorry. Vas-y, prends un verre, ça coûte cher. prends un verre. De quoi? Prends, bois. Ok,
Ricky, je pense qu'on va avoir de coca, je crois. Coca ? Ah ouais, de fou, c'était coca. C'est que du Selecto derrière, par contre. Désolé, on n'a pas pu avoir de coca. Du Selecto, frère, Hawaii tropical. Ah ouais, Hawaii, c'est vrai. Moi, j'aime bien le Selecto. Ah, il y a du pomme, si vous voulez. Du pomme, moi, je préfère. Ah, c'est lourd, Selecto, j'en avais. Après, quand j'ai vu que la Jura a perdu contre Cyril Hans, j'ai dit, c'est la masse, j'ai tout jeté. Vous avez déjà goûté le Fanta du Maroc ? Non. Vous savez, c'est quoi l'ingrédient principal dedans ? C'est quoi ? Le diabète. Ah, ils mettent du diabète là-dedans. J'ai une question, Hans. Oui. T'as regardé beaucoup de documentaires sur le Maroc ? Parce que, ouais, non, j'ai été. Je crois que t'es passionné. Non, j'ai été. On a fait la chasse aux éléphants et tout là-bas. C'était génial. Éléphants ? Ouais, il y avait des éléphants au Maroc. Bah, mon père a acheté des éléphants, les a installés là-bas dans un désert. Et en fait, on a fait un safari au désert. On a tué les éléphants. C'était tellement hilarant. J'ai envie d'insulter ce type. Oh, restez concentrés là, c'est Caillou les gars, c'est pas. Ouais, les gars. Eh, hey, ils ont leur visage. Ah oui, ils ont leur visage, j'ai appelé le seigneur plein de fois, wesh. La dernière fois que je suis venu ici, j'ai failli me faire tirer dessus par une mitrailleuse. Bon, allez, descendez, je vous en prie. Vous avez un service photographique, n'hésitez pas, je suis là. Vamos à la playa. J'ai appris leur dialecte. Salut Laura, ça va quoi senior. Je te donne la plata ou je donne un seigneur? Moi, comme ça je lui file après. Vas-y. Pour le flex en fait que je prends de la plata. Bah, t'es qui toi déjà? C'est Moha. Moha du cartel. Ah, Moha du cartel. C'est toi que j'ai tiré sur qui on a tiré dessus hier? Ouais, c'est moi. Quoi? Frérot, j'avais rien à voir là-dedans. Hein. Et franchement, je t'explique, Richie. Tu vois, hier, il a fait une prise d'otage sur moi. Quoi? Ah, non, j'ai fait aucune prise d'otage. Il y avait mon collègue au fusil à pompe. J'avais les mains en l'air. Je fais à mon collègue, je le regarde, je fais A3. 1, 2, 3, A3, je me couche par terre. La tête de ma mère, je pensais pas que mon collègue il allait tirer dessus. Je me suis couché, il s'est fait tirer dessus. Fusil à pompe. Putain, fusil à pompe. Ça va, t'en as récupéré? Ça va, t'as le kilo, on récupère les cheveux. Check le bras. Ah, Junior, viens. Yeah, j'ai nagé avec le requin. La gogo danseuse, c'est la meuf aux cheveux rouges. Celle qui descend là. Oh ouais, je vais lui dire direct danse pour moi. Attends qu'elle arrive, qu'on fasse des discussions et après. D'accord. Ah, celle-là, tiens, la meuf à gauche là, en rouge, celle. On a vu un requin. Elle s'appelle Ami. Ah, je vais la manger. C'est qui elle? Ouais, j'ai donné la plata à Moha. Si, j'ai peut-être un petit truc là. Ah ouais, t'as quoi? Tout marin pour aller voir les baleines. Oh, c'est trop bien ça. Par contre, faut payer. Bah vas-y, payer. Ouais, pour leur dire, c'est 2000 par tête. Ils vont voir les baleines. C'est des sous-marins 4 places, c'est ça? Ouais, claro. Ok. En fait, la meuf, c'est clairement pas une gogo danseuse, mais j'ai envie de rigoler un peu. Misty. Ah là, bon point, pas d'alcool. Moi, tu peux m'appeler Junior, bébé. Junior bébé, tu peux m'appeler, après tu peux m'appeler bébé si tu veux. Eh Richie. Mmh. D'accord que ça lui va pas de s'habiller en meuf Abby. Abby? Bah non, c'est un mec, c'est Mbappé de base. Ouais mais c'est ça fait trop bizarre là. Ouais mais frérot après c'est un date. Ouais, quoi, c'est... mais Skena elle a pas le choix. Ouais elle a pas le choix. Kandé il m'a appelé et il m'a dit qu'il y a des personnes qui en veulent à la vie de 28. Une mec? Qui ça? Je sais pas, il m'a dit qu'il s'occupe de tout, il a dit surtout ne stresse pas, laisse passer un moment formidable. Et Kandé il s'occupe de tout de l'autre côté. Ok, ça marche. Voilà. Bah, de toute façon, il risque rien. Ouais, il m'a dit préviens Richie et Ben Marek. Mais surtout pas Abby pour la stresser ou quoi. Donc voilà. Ah, Ben Marek, il est au courant? Ouais, il est au courant. Mais il est en train de niquer son date, frère. Non, il m'a dit t'inquiète, je fais confiance à 42. Ok, bon, bah parfait. Bon, ça marche. Bon, là, je vais faire une photo. J'arrive. Bon, écoute, tu sais quoi, je vais te dire la vérité. Viens en ce moment, maillot de bain, tous les deux. Toi et moi, on va nager, on va prendre du jet ski, on va faire un peu de. T'inquiète pas. Oula. Tu me prends par les hanches, je te prends par les hanches. Bah ouais, c'est du jet ski, c'est cool ça en c'est vrai. C'est du jet ski. Ah, mais vas-y, allez, je me retourne. Et c'est fait. Ah, mais t'en mets une main, ami, tranquille. Mets-toi à l'aise. Je vais me mettre. Mets-toi à l'aise. Ça va les tourtereaux? Ça se passe bien? À vous. Ah, ouais, je vois quel code tu veux envoyer, je vois très bien. Du coup, seigneur Richie, vous voulez qu'on fasse quand l'activité sous-marine? Oh, quand on veut. Eh, Ben Marek, tu veux faire du sous-marin, frère? Vas-y, hein. C'est 2000$, okay, vais. Ben, on va amener tout le monde dans le camion, ça vous dérange pas. Après, on va ici. Jure, c'est seigneur, il vient de me proposer. J'étais pas au courant. Il m'a dit en fait, il va ramener des sous-marins. Go. Et vous allez comme ça, vous allez voir des baleines et tout. Allongez-vous. Écoute, au bout d'un moment, je sais que je veux m'arnaquer, c'est pas grave. Mais arnaque-moi avec beauté. Celui qui m'a proposé. Celui qui paye pas, je le bute. Celui qui paye pas, on le bute sa mère. C'est 2000$ par personne. Quoi, comment ça s'habille? Je paye rien du tout pour toi, t'es folle ou quoi? Quoi? Et alors, t'as pas d'argent, mais t'es folle ou quoi? C'est bon, je paye pour toi, Ami, t'inquiète. T'es une rat, Abby? Oui. C'est ça, c'est elle, c'est sa petite sœur et tout. J'ai payé pour toute sa vie. À un moment donné, tu me laisses tranquille. Non, mais c'est Ratata, elle laisse tomber. Elle ferme les yeux. Payé pour toute sa vie. Une Ratata. C'est Rich Abira. Ratata, I'm in the ghetto. Non. Ton gros cul, il est resté en 2021, je crois. Il va passer, hein. C'est quoi qui est resté en 2021? Ton gros cul. C'est qui? Parle de qui, là? Son gros cul, le gros cul d'Ami. Moi, parle bien, je te dis. Moi aussi, je veux être dans le bail. Il est fou. Attends, c'est le gros, ça. Je peux savoir pourquoi vous parlez du cul Abby? Ma meuf, là, elle a un gros cul, ouais. T'as quoi?
Excuse-moi, j'ai pas entendu, t'as quoi? T'as quoi? C'est ma cliente, de cette meuf, de cette meuf, de cette meuf. Ah, ok, ok. J'ai habitué de me faire soulever. Richie, tu sais piloter ce marin? Ouais, t'inquiète. Let's go! Comment ça, on lâche un sous-marin comme ça? Attends, attends, y'a pas de let's go. Eh, les factures, c'est ici. Oui. Let's go. Richie, viens me voir. Vas-y. Et du coup, je vais vous prêter sous-marin. Et il faut que vous veniez ici, c'est là où il y a souvent les grosses baleines, tout ça, ok? Ok, ok, ça marche. Bon, pour les factures, c'est ici, bande de crevards. C'est pas moi, j'ai pas voulu venir ici. Fais le signe des Algériens, là, avec la langue. Tourne la langue dans ta bouche. J'ai pas voulu venir ici. Sur le drapeau, sur le drapeau. Le drapeau. Prends le feuillage, prends le buisson derrière, prends le buisson derrière sur les épaules. C'est bien, vous avez... direct facture. Vous avez tous payé. Voilà, ça me fait plaisir. Je suis passé une bonne journée, là. Allez, montez. Bande de chiens. N'hésitez pas à monter dans les... Allez, montez, bande de chiens. Là, on va aller voir des habits, on va voir des baleines. Attends, merde. Ça existe les rats des mers, Oui, ça existe. Et bah voilà, bah vas-y, voilà, va voir. Je vais aller voir ma famille. Hé, hey, maman, ça Abby, va quoi? Abby, t'as du caractère, hein. Ouais. Voilà, quand ça se voit, c'est pas une barrette. Si t'as d'autres questions, j'y répondrai pas. C'est proposé là son gros cul, hein. Gros cul, gros caractère. Toi là-bas, t'es gros moche. Ça se voit, c'est Ben Barak qui fait l'aspirateur et tout, qui va agréer à la ben maison. Ben Skin, ça se voit, il est en dessous lui. Hein. Ah ouais. Excusez-moi, j'ai une question, c'est un date ou une colonie de vacances? Écoute-moi bien, parle bien. Bah regarde, c'est Caillou, c'est clairement des vacances, hein. Parle ouais. Bien parce que là tu parles mal, tu commences à mal parler, c'est bien. Voilà, tout moment ça peut partir en bas de tête. Tu pars en bagarre. Tout moment ça part en bas de tête. Analyse. Ben Barak, voilà, ta pote là, ton gars là. Attends, mais tu seras un meuf ou un gars? Là, on va aller voir les baleines. Ah, ouais, attends, j'ai pas quitté un gros. Wesh, un corail, sa mère. Désolé, la nature. Ah, je suis pas écolo, je m'en bats les couilles. Ouais, je veux deux fois, attends, y'a des dodans normaux ou pas? Richie, t'as passé ton permis sous-marin ou pas? Non, je suis en train de passer là. Je fais le dauphin, je fais le dauphin! Aïe! Je fais le dauphin! Et après, on dit c'est moi le gamin, c'est grave. Voilà, ça fait le dauphin et ça rigole. Eh, hey, Junior, tu viens d'où toi? Oh, pose pas de questions, t'auras pas de réponse. Mais attends, mais là, tu voulais gérer la. J'aime bien ton attitude. Oh, attends, ouais, ici, y'a des baleines là, y'a une baleine là. J'aime bien. C'est... Oh non, c'est des dauphins au-dessus! Oh, mais fais voir. Oh. Non, monte, y'a une baleine, je crois, en haut encore. Je vais le percute. Y'a une baleine encore en haut et un gros truc, wesh. De côté. Wow. C'est un orc. Comment t'en sauver vous? Oh, trop stylé, ouais. Oh, 1000$, je le baisse. 1000$, je la baisse. C'est comme ça que ça l'a fait. Vas-y, 1000$, baisse là. Qu'est-ce qu'il va nous graille? Qu'est-ce qu'il va nous graille? Refais priorité, vas-y, mais clignotant. Il y a un petit air d'habit en vérité, hein. Ferme ta gueule. Regarde la bouche, la même bouche qu'Abby. Attends, je regarde. Je vais chercher des ratons laveurs là, vas-y, vois. Attends, je regarde. Ah ouais. Ouais, la même dextérité et tout. Pareil, ça se voit là, du venin, comme Abby. Ah ouais, j'ai pas signé sur ça, moi, à la base. Ah ouais. Eh, vous voulez la toucher? Sortez, touchez-la, wesh. Non. Vas-y, fais une photo avec ta. Mais voilà, j'y vais, moi, t'es un malade ou quoi? Voilà, je suis sur la baleine, les mecs. Je suis sur la baleine. Attends, saute dessus. Non, moi j'ai peur, elle va me couper. Mais non, mais c'est une baleine frère, c'est pas un requin. Eh, laisse-le. Quoi? Comment ça y'a un requin? On est sur Raft là? Comment ça y'a un requin? Il est où le requin? Mais si, là-bas. Attends. Ah, ouais, je l'ai vu. Non, tu vas se regretter par le requin. Monte. Oh, il va te baiser. Je le vois. Ça va, respire. Mais bon, t'es dedans, ça va, tranquille. Bismillah. Ça se rapproche vachement de lui quand même. Oh mon dieu! Attends, il me faut du bois et de la pierre qui t'a. Du bois et de la. Qu'est-ce que tu me racontes? Je vais me faire une lance, je vais tuer le requin comme dans Raft. Mais t'es fou quoi? Il va te baiser le requin! Qu'est-ce que tu racontes? Quoi? T'étais sur une planche et tu dois en construire d'autres ou quoi? C'est trop bien, wesh, il est fou! 5000$, tu sors et tu niques. Il est fou ce type! Le mec, je sors avec quoi? Attendez les gars, 5000$, tu te bagarres avec le requin, tu niques. Tu me rembourses 5000$? Ouais? Le mec. Wesh! Suis-le. Mais il est fou? Mais bien sûr, il est con! Oh, il va le baiser au couteau! Non! Oh, il va le baiser au couteau! Là, vous savez, il est en train de faire. Comment dans cette merde? Il va le baiser au couteau! Il est en train de vous faire voir qu'il est courageux! Ah ouais! Hein. Mais il est pas courageux, il est con! Mais non, c'est une preuve d'amour! Mais non, il est con! Attends, on va pas! Redescends! Oh, il a baissé le requin! Eh, ce soir, mais je suis le requin! Bien joué! Le requin, les gars, ce soir! Quel courage! Eh, t'as pris des steaks? Ouais, c'est bon, j'ai tout pris. Alors, après, on fait un méchoui. Hein.
Les gars, et après y'a un bichu de requin. Pourquoi il y a un bichu de requin dans cette ville? Mais attends, mais c'est des aventures de fou, je crois. Il vient de tabasser. Balek, t'as trouvé un requin? Oui. T'es sûr de ça, Ben Barek? Non. Si, j'ai vu, j'ai vu. Inch'Allah, il bute comme ça, je te pose pas 5000 d'or. C'est lui. Ben Barek, t'as trouvé un requin? Non, c'est pas vrai, monsieur Guzman. Putain, j'ai oublié que ça leur appartenait, les requins. Mais t'es un baiser, toi. Richie. Ouais. 5000 dollars que tu me dois, ouais. On annule si tu me poucaves pas. Non, tranquille, t'as le temps de la main, wesh. Vas-y, je nous fais des steaks de requin ou quoi? Vas-y, elle veut pas danser pour toi? Ah, oui, sa soeur elle est venue, elle a commencé à me. Là, c'est bon, là, tu peux lui parler. Allez, bien. Fais une belle pause. Vas-y, danse pour moi, ami. Oui, ça me danse pour toi. Ouais, danse pour moi, ami. Lucas, c'est bon. Toi, danse. Comment? J'ai entendu ce qu'il a dit. Allez, c'est bon. Non, dis pas ta sœur, s'il te plaît. C'est pour les photos. Non, mais dis pas ta sœur, viens, on va danser. Il a dit quoi? Il a dit qu'il voulait nous faire tourner. Mais ouais, bon, attends, je finis un truc et j'arrive. Ah, vas-y, finis ton truc et t'arrives. Voilà, avec ton Gucci de Barbès. Viens. Eh, toi, Ben Barek, aujourd'hui, je vais te montrer c'est qui a la matraque. Top, le prochain, le prochain qui commence à me casser les coronets, ça suffit maintenant. Ah, Gucci Gang, on m'appelle moi aussi. T'inquiète même. Ah, hey, ami, écoute, tout ce que tu vas voir avec ta soeur, je vais prendre soin de ta soeur. T'inquiète, tu vas bien danser pour moi. Non, c'est pas. Mais c'est qui? Il est en peignoir. Mais non, mais c'est pour moi, allez. Ok, je. Ça met bien. Oh, elle est sur le lit, ils sont sur le lit. Vas-y, attends. Prends des photos. Ok. Je crois que ça va baiser fort. Là, ça va claquer. Le Tipeee va pas supporter par contre. Le Tipeee. Wesh, l'os, il est rentré normal. C'est devenu bizarre. Oh, il va se faire. Oui. Ok, c'est parti. J'interviens. C'est bon, personne rentre. Vas-y, toi, à l'aise. Ça va baiser, hein. Bon, je te disais. Ah ouais, Ben Barek, c'est Ben Barek qui va se faire baiser. Dis-moi la position de Ben Barek. J'arrive à voir là dans l'entre-truc là, je vois tout. Ah ouais, mais elle a un sexe, hein. Elle a un sexe. Qui ça, Mbappé? Non, je me fous pas de ta gueule. Mbappé, c'est la meuf, c'est Abby. C'est vrai, elle a une petite tête de noisette, hein. Mais Junior, c'est le. Meuf dominante. Junior, c'est le moment! On va tamponner sa sœur. Mais oui, gère sa sœur, Roya! Mais. Elle est là! Attends. Oh non, mais. Excuse-moi, Richie. Non, je fais courant, c'est pour aérer, je fais du courant d'air. J'aère. J'aère, tranquille. Non, mais c'est important de bien aérer, c'est pour ça, c'est important de bien aérer. Ah ouais! Tu veux, je te ramène une ticket, toi. C'est bon, c'est aéré là, c'est bon? Richie, mais attends, t'as un ventilateur sur toi, viens. Fais le ventilateur, t'inquiète, tu nous écoutes. Ah, vas-y, tranquille, ça marche. Ouais, vas-y, attends. Ouais, ça y est, je rigole. Non, mais fais le ventilateur. C'est le ventilateur en fait. Je disais, Abby. Ouais. Eh, vas-y, on est sur Caillou et tout, j'ai faim là. Quoi? J'ai ce qu'il faut, Roya, j'ai des menus. Ouais, ah ouais, c'est vrai, merci. Ça va, Amy? J'ai pas fait ça, moi. Tu t'as fait un ventilo. Je reprends ma place de ventilo. Vas-y, tant qu'on y est, va t'asseoir. Oh, je l'ai eu. Oh, wesh. Mais bon, je dégage. Pardon, c'est bon. Ouais, donc je disais, t'es une meuf, tu me fais oublier mes problèmes et tout, t'as vu? Moi, tu sais, tu me fais penser à une voiture. Ah ouais, à quelle voiture? Je sais pas, genre une voiture. Ah ouais, laquelle? Peux pas n'importe laquelle, genre. Pourquoi je te fais penser une voiture, wesh? Parce que t'as pas besoin de phare pour briller. Non, je prends mon carnet. Vas-y, note. Attends. J'en ai plein. Vas-y, on va faire un AV. Hein. Eh, Abby, t'es comme un rayon de soleil, tu sais pourquoi? Non. Il y a pas besoin qu'il fasse nuit pour que tu brilles. Starfall. J'ai entendu un imam, je crois. Ouais, donc vas-y, c'est ton tour du coup. Tu sais à qui tu me fais penser? À qui je te fais penser, ouais? À un prince. Ah ouais, pourquoi? Je veux que tu t'invites dans mon palais. Starfall, là, moi j'y vais. C'est trop. Attends, j'en ai une dernière.